Salut. Ça va, Steve? Ouais. J'ai l'impression de t'avoir vu dans un film récemment. Ouais, peut-être, ça se peut. Tu ressembles au mec dans Captain America, le soldat de l'hiver. Tu aurais pas tourné? Oui. Comment t'as fait pour décrocher un truc à Hollywood? Ouais, parce qu'ils m'ont dit que je lui ressemble. Ok. Et c'était bien? Ouais. C'était bien de péter la gueule à Captain America. Il y a eu des belles meufs? Ouais. J'ai une idée. Tu veux m'aider pour un cambriolage bientôt? Ouais. Je suis déjà armé. Cool. On donne rendez-vous à 5h le jeudi 16 mai. Okay. D'accord? À la Banque Internationale de Reichenolf. Ok. Entre-temps, j'engagerai Franklin, Michael et Trevor. Ils vont nous aider. Ok. C'est des bons gars, tu verras. Ok. Et Nico Bellé qui sera là pour comme indique. Ok, bon, je prépare mon arsenal d'armes. Ouais. Parce qu'on a du boulot à faire. Salut. Au revoir, camarade. Au revoir. Allez, salut. Bon. Ciao. Bonjour à toutes, c'est Maxime Morin et on se retrouve pour la suite de Deux Ex. On avait fini dans une zone bizarre. En gros, j'avais combattu 4 hommes en noir et des mecs lunettes quoi avec mon frère. Il a réussi à en dégommer pas mal, moi aussi. Et quand ils étaient tous morts, il y en a un qui m'a pété à la gueule. J'ai fini assommé et je me suis retrouvé dans une salle comme ça où il y a un mec d'Edladus qui veut nous aider. T'as suivi, toi? Donc, d'Edladus. Alors lui, j'en avais entendu parler quand j'allais chercher les personnages. D'après ce que je sais, c'est une intelligence artificielle. Oh chut, faut pas le spoil. Bon, c'est tout ce que je sais. Qu'est-ce que je fous là? T'as plus d'armes. Ah, je crois que c'est ce passage là. Ah, je crois qu'en fait t'es un peu obligé de te faire choper. Je crois que même si t'essayes de sortir. Parce que je savais bien que quand tu te rebelles, il y a un passage où t'es de nouveau dans le QG et tu dois t'enfuir. Et là, ils sont tous ennemis. C'est ça, c'est ce passage. Oh, t'as plus d'armes, t'as pas d'armes. Enfin, je crois que c'est le QG. Ouais, c'est le QG. Je crois qu'en fait, là, on est dans un truc de Majesty 12. C'est les grands méchants, là. Et eux, ils sont habillés d'une tenue noire avec des trucs rouges. On les avait vus brièvement dans une autre vidéo, même sur ça. Pas que c'était eux. Et là, voilà. Ouais, je sais, je peux pas plus. Ah, ok, t'as quand même un truc. J'allais dire, si tu peux tuer aucun mec... Did anybody else hear something? Oh putain, il y a un truc de soin là. Je me foutrais tant là, lui par contre. Bon, désolé pour le bâillement. C'est de votre faute. S'il n'a pas lu. Il a décodé le truc avec un extincteur. C'est la caméra qui m'a fait donner. Ouais, je savais bien qu'il devait y avoir la caméra.
Non, il fait gaffe. Jette. You must inform him of the escape. Tracer Tong will require his data vault in order to defeat the kill switch. Oh, le secret du. Et normalement, si je me souviens bien, il est en dessous du QG de l'univers. Normalement, on est censé. Je pense qu'on le découvrira dans cette vidéo, donc c'est pas un vrai spoil, hein. Oh boy, de maquillage. Oh merde. This is the maintenance facility for the security bots. Et toi, tu devrais mettre ma vie que je fais barre verte, c'est pas pour générer le conco, c'est cool là. Easy. Non. Ok. Oh. Alors, on a un plan. Ah ouais. Bon, par hasard. Où suis-je ? Qui mène à l'armurerie, merde, là-bas ça mène pas là. Là il y a le truc de médical. Oh, donne leur des coups. Pareil, combien que je vais me faire gauler. J'ai des flingues. Moi je crois que c'est un flingue de merde, non? Il balance des bactéries. Oh. C'est comme si une fois quand il m'a craché dessus. I've got a. Allez, what the fuck? Oh, j'ai un fusil. Oh putain. Oh. Ça c'est de l'art. Parce qu'avant j'avais le fusil à canon scié, le petit truc de merde. Là t'as vu. C'est bon. Bon bah on a une nouvelle arme, une toute nouvelle en plus, un fusil à pompe normal. Et là je pense que je vais le garder. Il n'y avait pas un truc sur la caisse. Plus ton énergie et après. Ah merde, j'ai énergie à fond. Non, c'est l'autre truc. Ce qu'il faut, c'est la santé. Il y avait un truc médicinal. Mais c'est à quoi ton énergie, c'est pour l'utiliser. Guy in a cold, I'm checking it out. Watch yourself, this one's some kind of mech. En fait, franchement, elle sert à quoi l'énergie? Elle a un petit danger. Mais ça doit pas un goût que tu dois rigoler, non? Ouais.
Là, ce qui serait intéressant, c'est que j'aille là ensuite. Tout de soir. Surtout que je crois que c'est là en plus où il est censé se trouver si là, si Daedalus, contrairement à mon frère et tout, me dit la vérité. C'est quelque chose. Il va le foutre la matrice dans le cul. J'avais l'impression qu'il n'y a rien sur moi. Rectog. Scanning area. Il a pas l'air. C'est molle, mec, il a fallu je sais pas combien de décharges de pompe. Je me rends qu'il y avait pas d'armes. Tu l'as coupé le secteur. Ah, c'est parce que... Il gomme un peu trop, ils lâchent leur arme. Ou ils la perdent, enfin, je sais pas. En tout cas, ils les ont plus. Parce que je l'ai dégommé. Mmh. En fait, c'est de la merde. Oh, ah, c'est mon snipe. Sale enculé. Choper, espèce de choquer, espèce de con. Ouais, il a dû me choper. Ton gros pote, il m'a attrapé. Il m'a dit, toi, tu es mort. Mettre une balle dans la tête. Une balle dans la tête, ça fait comme dans le corps. La patience est un frisbee. Steve, j'espère que tu m'as compris. Non. Tant mieux. La patience, ça va. Comme le dirait mon frère. Ça croustille, c'est mieux que franchement quand ça baisse. Sauvegarde! Ça va? Sauvegarde et recharge. Ah non, il faudrait que j'aille au truc de son. Le texte, hein. Je pense que c'est mieux. Alors, les soldats, je crois qu'ils rechargent que l'énergie. Il y a peu de choses qui rechargent. La vie. Et j'adore, je m'équipe d'une canette. Ah, qu'est-ce que vous faites maintenant? 2 points resto. Et résultat, j'ai plus. Oh là 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 là. Oh, punaise! On va plutôt essayer de se la jouer discret. Chargeur électrique est pas mieux. Mais ne crie pas à la ronde, je te donne juste au cas où les autres. 29,71. Pas oublié.
T'as oublié le bot quand on t'a demandé de retenir avant. Non mais j'adore. On t'a demandé de retenir un code avant, mais on n'a pas pu l'utiliser. Mais je suis sûr qu'on aurait peut-être pu trouver un moyen de s'enfuir. Sans les mains. Allez, je suis la bite. Imagine le mec. Ah, j'essaye de pirater. Une plante d'un méchant James Bond, alors franchement je m'attendais pas à ce que les mecs ils aient des mails tous les jours. Hein. Ouais, que ça va bien dans ton truc d'agent secret. Généralement c'est comme ça. Hein. Les mecs ils vont pas se faire chier à se filer à la ramasse. Enfin, c'est un coup à se faire voler. Hein. Mmh. Après il y avait des pourris où ils auraient rien à vivre. Le canard il est belge. Dans le kicker. Est-ce que je vais aller à l'armurerie maintenant que j'ai le code? 29-71. Oh bah Steve, t'as fait quoi dans ta journée? Non, c'est vrai. Ouais, tu crois que échappe c'est l'option? Ouais. Si je maintiens les deux, ça se prend. Ouais. Merci, jeu de merde! Heureusement que dans Human Revolution, je marque le code quand tu l'as découvert. Definitely someone. Non. Ouais. Ah oui, c'est peut-être pour ça qu'il faut qu'ils enlèvent leur arme. Pour aller foncer et activer l'alarme. Je préfère d'un côté quand ils fassent ça. Comme ça, ils sont pas en train de trouver le bif. Oh merde. Yeah, peu de la merde. Oh, oh Dieu, tu existes! Et t'as un gros bazooka avec toi. Ah bah un nouveau lance-roquette! Anti-blindé. Ouais bah ça pour les robots hein. Toi je t'adore. Échange-le contre le... Oh putain! Va falloir faire un choix. Après pour les armes. Ah ouais. Bon toi je t'abandonne, je préférais l'autre. Je vais prendre l'autre lance-roquette comme ça j'aurai les deux. Mon sniper ça j'avais déjà, le fusil d'assaut aussi, le flak j'en ai un autre meilleur, je vous le garde. Est-ce que j'avais d'autres avant? Bah mon pied du chameau. Merci. Ah je tenais à remercier ma mère. Il doit être beaucoup plus puissant au niveau du temps. Ah t'as une armée sur moi. Visiblement oui, je sais pas comment je vais faire. Gars, t'as une arme bleue là. Et il va te servir. Voilà, le camouflage thermotique, il va pouvoir rendre un genre invisible à un humain qu'au système de détection des robots. Le mec est tellement con. Faut que je le prenne. Bah tu le prends. Quoi, c'est mon plus grand rêve. Là, si je meurs, c'est quand même les Belges.
14. Ouais, elle vient d'exploser, parce qu'il y a deux caisses à côté de toi, ils ont aussi sauté. Oh mince, c'est pas du tout à ah, l'autre roquette. Ah, c'est ça. Un medic. J'ai retrouvé tous mes accessoires. Ah ouais, parce que c'est vrai, je l'avais le truc thermo-optique. Par contre, l'espèce d'armure là de camouflage, tu peux pas le désactiver. Ça, c'est un peu pour ça. Mais c'est vrai. Ah, c'est peut-être pas mal ça. Oh. La chuche protéine, elle se fait niquer de ça. Arrête! On regarde 25 de dégâts, lui 20. Toutes mes armes, j'ai retrouvé. Oh la roquette. Ah oui. Le couteau. C'est vrai, il ne peut pas que je dise. Ouais. En fait, le couteau aussi. Extincteur. Ouais. Tout ce qui est merde. La matraque. Ouais, c'est merde. Il sert du gun. Pas. Je te rappelle l'autre fois, j'ai essayé de violer une douche avec. Bon. Oh, rangé. Ah, oh. Allez, je pense que c'est bon. En haut. Non, attends. Voilà. Oh. Qu'est-ce que je pourrais pas vivre sans toi? Ah, et maintenant on se récupère. Sauvegarde! Que tu meurs! Okay. Sincèrement, ferme-la! Non. Ok. Et la grenade barre en main. J'ai retrouvé tout mon équipement! Ça me rappelle la marmite. Par contre, il y avait pas quelque chose. Il y a quelque chose, je crois. Non, faut pas te retourner là. Les armes. Parce que là, on va pouvoir se faire. En fait, c'est bien que t'avais déjà. Enfin, les munitions que t'avais déjà abandonné. Ah non. J'avais tout pour bloquer, putain, le steak. J'en ai ramassé sur le chemin. Oh, oh bah. Furtif. Non, il est pas furtif. Il s'appelle furtif. Non, il s'appelle là. Bourrin. Sésame, Zivan, toi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Non! Docteur Halibek, votre service est l'un des premiers à recevoir la promotion. Le code du conteneur sécurité est 5, 2, 3, 9. Boris! Une bonbonne. Un bonhomme en appel. Bon, après
faudra donc aller au truc de soi. Ah, j'ai des fléchettes, j'ai des accessoires de des roquettes. C'est bien, pourtant t'as une cale, faut le mettre. Accessoires, c'est bien. Oh, petit bête, quel couteau! Ta gueule! Parlez au jeu. Mais le médic, tu les utilises pas? Et les médic pas? Malek! Je crois que j'ai gâché tous les médics. On prend pour Zlatan. Accessoires silencieux. On snipe! Logique, hein. Accessoires lunettes. C'est une lance roquette! En plus, tu peux parce que j'ai l'impression que le truc vert c'est pour dire les uns tu peux. Une lunette de visée pour lancer. Un silencieux pour un lance-roquette. Non, ça se pourrait pas. Tu sais, ça fait boule. Ça, c'est le conteneur. Le conteneur. 2, 5, 3, 1, je crois. Alors, échappez-vous de compléter les machins. Et accéder, alors si vous trouvez pas l'accès aux infos, faut pas que les traceurs tombent et puis voilà, tracer. C'était une déjà. C'était là. Alors 2, 9, 7. C'est quoi ton problème? Non, c'était pas ça. Je teste ça. Ok, c'était pas ça. Celle-là, c'était le code que tu devais nous donner. Oui, bon. Et tu sais, j'ai une blague. C'est Zlatan. Tu vas voir. Non, non, continue. Il y a Zlatan qui chie la merde de Metallica. Standing area. Là, il y a personne. Non, je te jure. Il y a personne. Salut. Je... Oh. Voilà, je pensais que tu pouvais pas les porter. J'ai dit quand je les ai pas entièrement filés. Et c'est quand je les ai pas. Bon bah on va revenir sur nos pas et aller à l'hôpital. Il part dans ce putain de robot là. Il fait Spider-Man. Et là il meurt. Hello! Le mec il commence à se déplacer tranquille. Ouais, un peu comme bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit prochainement pour encore une autre vidéo. La dernière ici pour l'instant là sur DuzEx. Ouais. T'inquiète, on est ici.